Breaking news. Breaking news. Breaking news. Ukraine, le plan de paix africain, difficile à mettre en œuvre. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La délégation de médiation africaine a prôné la fin de la guerre en Ukraine, accueillie à bras ouverts par le chef de l'État russe, M. Vladimir Poutine, particulièrement souriant. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin, a lancé le président sud-africain, son Excellence M. Cyril Ramaphosa, chef de la délégation des médiateurs africains, lors d'une rencontre avec M. Poutine à Saint-Pétersbourg, lui qui n'a jamais condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Nous croyons fermement que cette guerre doit être réglée, et elle doit être réglée par des négociations et par des moyens diplomatiques. Les chefs d'État africains mettent sur la table un plan de paix en 10 points, comprenant l'accalmie des deux côtés ainsi que la reconnaissance de la souveraineté des deux pays. Le chef de l'État russe, M. Vladimir Poutine, s'est dit ouvert au dialogue en attribuant l'échec des négociations à la partie ukrainienne. Nous sommes prêts à examiner toutes vos propositions. Mais nous n'avons pas refusé les négociations. La partie ukrainienne l'a fait. Voici le document paraphé par la délégation de Kiev en 2022. La signature est là. Mais après que nous avons, comme promis, retiré nos troupes de Kiev, les autorités ukrainiennes, comme elles le font habituellement, ont tout jeté à la poubelle. La délégation de médiation africaine était la veille à Kiev et a été reçue par le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. J'ai clairement dit à plusieurs reprises lors de notre réunion qu'autoriser toute négociation avec la Russie maintenant que l'occupant est sur notre territoire revient à geler la guerre, à geler la douleur et la souffrance. Des manœuvres diplomatiques alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive. En 2 semaines, 113 kilomètres ont été reconquis. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, Siweb Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.